voici à Paris pour un vidéo reportage au salon de la photo, Paris Expo. Nous sommes ici sur le stand Canon, avec plein de tests derrière d'objectifs. Des patators en puissance. Il y a Nanas qui m'accompagne, mais on ne peut pas le voir pour l'instant parce que c'est lui qui tient la caméra. Et nous allons avoir peut-être de la chance pour pouvoir essayer divers objectifs. Donc de magnifiques objectifs, des blancs à col rouge. Wouhou ! Magnifique. Donc rebonjour tout le monde, on a fini l'exposition sur le salon de la photo. Maintenant nous sommes à l'Arche de la Défense qu'on peut voir ici. Donc maintenant on a 2 heures à tuer et on va faire un petit tour, prendre 2-3 photos. Et à bientôt sur le blog de tomphoto.fr. Nous sommes ici au parc André Citroën, qui est fermé. Il est 22h22. Bah, il y a une dame qui est tombée amoureuse de mon chapeau en fait. Donc elle a pas arrêté de me mitrailler en photo et elle m'a piqué un badge. C'est vrai, hein, tu peux lui demander. Hein. Il m'en manquait un là. Pourquoi il y a un trou ici à ton avis? Il manque le badge photographe avec le koala. Oui, parce qu'en fait j'ai mon. Tada! C'est un peu comme Superman mais avec un koala en fait. Voilà. Reportage au salon de la photo. Mais avant cela, petit séjour au Lego Shop. Un joli petit magasin sponsorisé par Jouet Club. Voilà. Le passage au milieu des Legos a eu comme un effet hypotenseur sur nous. On était revenus comme des gamins, comme des fous. Comme des fous très calmes. Voilà. Donc, hypotenseur, ça fait 1. Bon, il y avait un peu de tout. Des Lego Star Wars, Lego Harry Potter. On n'a pas vu de Lego Beetlejuice. Voilà. Voilà. Donc, avec Tomizu, le Buana du commando. nous sommes repartis chacun avec nos porte-clés. Ensuite, après notre sympathique séjour dans la Casa de los Legos. Barre-toi, espèce d'extincteur tout vert. Et voilà, magnifique reportage donc avec les deux plus gradés du commando. Et un... Et... ça. C'est joli, le cœur. C'est un... Putain, j'ai envie de pisser. C'est horrible. Le fossile de suspension. Rien que le bruit que ça fait, ça s'entend que ça déconne.